Ça filme ? Ça filme ! Il y a deux claps, vas-y fais le clap. Clap. Ok, on stage. Bizarre. On stage. C'est écrit là. Salut Wassim. Salut Olivier. J'ai vu que tu avais récemment tweeté un sketch note pour montrer ce qui se passait quand on rentrait une URL dans son navigateur. Mmh. Tout ce qui se passe derrière qu'on ne voit pas qui fait qu'à un moment où je rentre une URL, j'ai une page qui s'affiche à la fin. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, je pensais que c'était une bonne opportunité pour faire un tartinet tech parce que c'est un processus qu'on utilise tous les jours. Tous les jours, on rentre des URL et on voit des pages web, mais on ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Du coup, est-ce que tu peux, on peut revenir sur ton dessin et tu nous montres ce qu'il y a ? Oui, avec plaisir. C'est parti. Voilà, j'imagine que le début, voilà, c'est de saisir l'URL. Ok, donc on saisit une URL. Donc imaginons voilà, que tu vas taper www.exemple.com dans ta barre d'adresse dans ton navigateur. Mm-hmm. Donc en fait, là, le navigateur, ce qu'il fait, c'est qu'il ne sait pas ce que ça veut dire www.exemple.com. C'est du texte pour lui, il a besoin d'une adresse IP. Donc c'est pour ça qu'il va aller interroger ce qu'on appelle un DNS, un Domain Name Server. Ok. Ou d'abord, au moins, interroger le cache. D'accord. Donc là, sur le dessin… Oui. Donc effectivement, là, il y a plusieurs caches d'ailleurs de DNS. Le premier cache, le premier niveau de cache se trouve dans le navigateur. Donc le navigateur, en fait, garde un cache. Donc c'est une sorte de dictionnaire qui, comment dire, pour identifier un nom de domaine par son adresse IP. D'accord. Voilà. Adresse IP, c'est le 127.0.0.1 pour localhost ou un truc un peu plus compliqué quand c'est l'extérieur. Exactement. Ouais. Donc c'est ce que les machines… connaissent comme identifiant pour d'autres machines, pour des serveurs ou des devices. Du coup… C'est les pages jaunes. C'est les pages jaunes, exactement. Exactement, ouais, très, très bonne métaphore. Donc, il va d'abord interroger le cache du navigateur. S'il ne trouve pas cette fameuse adresse IP, il va descendre d'un niveau et interroger le cache DNS de ton système d'exploitation. Donc là, s'il ne trouve pas l'adresse IP qui correspond au nom de domaine que tu as tapé, il va du coup descendre encore au niveau du cache du routeur. Donc le routeur internet. Et pareil, s'il ne trouve pas l'adresse IP dans le routeur, il va aller du coup interroger le cache dans ton fournisseur d'accès internet. Mm-hmm. Donc voilà, le fournisseur d'accès internet garde en fait un cache DNS de, voilà, des noms de domaine et leur adresse IP. D'accord. Et donc là, c'est ce qu'on voit sur le dessin sous la petite case DNS. Exactement. Voilà. Les différents caches. Voilà. Du coup, si à aucun moment il a réussi à trouver l'adresse IP, là, il va être obligé en fait d'aller récupérer l'adresse IP via donc le DNS global, donc les serveurs DNS globaux, parce qu'il y en a plusieurs du coup. C'est ce qu'on voit là, si jamais effectivement il ne trouve pas dans le cache, oui, il va aller demander au serveur global qui est donc tout le petit bout qu'on voit là. Donc là il va commencer par en gros par ton nom de domaine, va commencer par la fin, donc il va demander ce qu'on appelle le root domain name server. Voilà, donne-moi donc l'adresse du ce qu'on appelle le top level domain, ça c'est le .com, .fr. Donc, et après, il y a toute une cérémonie qui va se lancer. Donc, il va commencer par .com, après il va ajouter exemple.com, www.exemple.com. En fait, donc chaque name server en fait, est responsable d'une partie de ton URL. Mm-hmm. Donc, au final, lorsque tous ces serveurs-là ont communiqué entre eux et qu'on a réussi en fait, à trouver l'adresse du name server qui contient du coup l'adresse IP de ton www.exemple.com, donc là, ce serveur-là retourne cette adresse IP. D'accord. Ce qu'on voit là, donc le 93.184.216.24, ça c'est une adresse IP. C'est ça. D'accord. Donc cette adresse IP, elle va être stockée du coup dans les différents caches qu'on a vus tout à l'heure. Et comme ça, la prochaine fois, le navigateur, en fait, il va simplement récupérer l'adresse du cache. D'accord, il aura directement ça. Ouais. Sachant que là, c'est une adresse IP donc V4, maintenant on est V6. Voilà. C'est pour faire simple. C'est, non mais pour que les gens sachent qu'effectivement maintenant, il y a un nouveau format d'adresse IP qui existe. Tout à fait. Très bien. Donc là, hop, j'ai mon adresse IP. Qu'est-ce qui se passe ? Donc une fois que le navigateur a réussi à trouver l'adresse IP de la machine, en fait, du serveur qui contient ton site web, et www.exemple.com, il va initier ce qu'on appelle en fait une connexion TCP. Et donc, la façon dont il va s'y prendre, en fait, il va faire ce qu'on appelle un three-way handshake, donc une sorte de trois étapes aller-retour, on va dire, entre le client et le serveur, donc qui sont, on va dire, standardisées. Hein. La première demande que le client va envoyer au serveur, donc c'est une instruction SYN, S-Y-N, pour dire SYNC. Ouais. Le serveur, du coup, répond aussi donc avec une instruction SYN,
ACK, donc Acknowledge, au client. Et donc éventuellement, le client répond aussi avec une autre instruction Acknowledge pour dire « Ok, c'est bon, j'ai reçu ta réponse. Okay. » Donc maintenant, le client et le serveur en fait, vont pouvoir communiquer entre eux via un tunnel, un socket TCP. Voilà, donc maintenant que… J'ai une connexion qui est établie. J'ai une connexion qui est établie entre le client, qui est ton navigateur, et donc le serveur qui contient ton site web, donc le serveur dont on a récupéré l'adresse IP avant. Donc, sur la base de cette connexion TCP/IP, en fait, le client va initier une requête HTTP. D'accord. Pour en revenir sur un petit peu l'analogie avec les pages jaunes ou blanches, c'est que j'avais le nom de quelqu'un au début, je trouve son adresse ou son numéro de téléphone, j'appelle, la personne décroche. Et là, j'ai la connexion TCP/IP finalement qui est établie. Voilà. Très bien. Et donc, à partir du moment où tu as la personne au téléphone, donc tu peux discuter avec elle, sauf que là, du coup, entre le client et le serveur, en fait, pareil, il y a un formalisme. Il y a un protocole à suivre. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, donc, ce protocole, du coup, c'est HTTP, qui permet du coup d'envoyer des verbes HTTP vers le serveur. Et donc, le serveur connaît ces verbes-là et donc répond en fait en fonction. Donc oui, effectivement, tu parlais de protocole parce qu'il faut savoir que TCP/IP, donc c'est ce qu'on appelle Internet, et on a différents protocoles dessus, donc il y a du FTP, du SSH et du HTTP, c'est ça qu'on appelle le web. Donc le web, c'est vraiment un des protocoles d'Internet. Globalement, c'est ça, effectivement. Et donc HTTPS fait partie du coup d'HTTP, mais là, on en parle. On va pas, C'est un HTTP plus sécurisé, on va dire. On fera peut-être un tartinet texte sur HTTPS une fois. Effectivement, ouais. Donc une fois que donc, le client a construit sa requête HTTP, donc par exemple, le plus simple ici, c'est une requête GET, un fichier, donc par exemple index.html, suivi du coup d'un protocole. Parce qu'effectivement, en plus dans HTTP, il y a plusieurs types de requêtes. On a du GET, du POST, du POUT, Il y en a plein. Du PATCH, etc. Il y a HEAD, il y a OPTION, il y a pas mal de choses, effectivement. Donc là, simplement, ce que le client dit, il dit au serveur, OK, donne-moi ce fichier. Bon, voilà. Fichier index.html, ou index.php, ou index.perl, ce que tu veux. Et du coup, le serveur, lorsqu'il reçoit cette fameuse requête HTTP, GET, le fichier en question, et avec pas mal de metadata, etc. Donc, il va aller chercher ce fichier-là, l'ouvrir, le lire, et puis retourner le contenu vers le client avec un code HTTP. Donc, les codes HTTP sont aussi standardisés. Donc, il y a la famille des codes, donc les 100, 100 quelque chose. Donc, ça, c'est des messages d'information que le serveur retourne en fait au client. La famille donc des 200, donc là, c'est... Donc, tout va bien, donc c'est un succès. D'accord. Vous savez qu'on connaît bien 200, 204, etc. Tout va bien, voilà, exactement. Après, il y a la famille des 300, donc 300 quelque chose, donc ça c'est les redirections. Les 400, donc ça c'est les erreurs côté client. 404 qui est la plus connue. 404, voilà par exemple. 403, enfin. Exact, 418. 418, tipote à la tienne. Effectivement. Et aussi donc la famille des 500. Donc ça, c'est les erreurs côté serveur. La plus critique en général. Oui, quand tout va mal, effectivement. Rien ne va plus. Et voilà, du coup, le serveur retourne ce code HTTP avec donc la réponse. Donc le contenu du fichier, par exemple. Ici, en l'occurrence, on va dire HTML pour faire simple. Mais ça peut être aussi en fait un fichier binaire, ça peut être un stream, dans le cas de WebSocket, par exemple. Sachant qu'une requête, on te renvoie, on va partir sur les fichiers. Ouais. Une requête, c'est un fichier. Parce qu'on croit souvent qu'effectivement, on rentre une URL et on a plein de fichiers CSS, HTML, etc. qui sont envoyés. Mais là, c'est en fait une requête, un fichier. Oui, voilà, en fait, donc c'est un fichier. Donc là, on rentre du coup dans HTML, on sort du coup HTTP, on rentre dans HTML. Effectivement, dans ton fichier HTML, il peut y avoir des liens vers d'autres ressources. Vers par exemple donc une police, d'autres images, vers d'autres fichiers, donc vers des fichiers JavaScript, CSS. Même HTML hein, avec les web components. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai reçu mon fichier. Et voilà, ouais. Et donc là, le client reçoit. Donc le client, c'est le navigateur. Donc le navigateur reçoit ton fichier HTML. Et donc là commence tout un tas de processus en fait en interne dans ton navigateur. Donc à commencer par, donc, on va dire simplifier, parser donc le fichier HTML, c'est-à-dire le parseur va parcourir donc toutes les chaînes de caractères de ton fichier, etc. Caractère par caractère. Et en fait, et construire on va dire ce qu'on appelle un AST. Donc un abstract syntax tree qui représente en gros ton fichier HTML mais sous forme de données en fait en mémoire. Il va faire la même chose avec du CSS. Sachant qu'il construit l'arbre en fonction des mots-clés d'HTML. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est très permissif d'ailleurs le parseur HTML, c'est-à-dire si tu as oublié de fermer une balise, il va fermer pour toi. Si tu as oublié de, voilà, par exemple si tu as mis des balises. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas fermer les balises. Oui, il faut éviter. À partir donc, de cet AST, en fait, on va créer un HTML, on va créer en fait un DOM, ce qu'on appelle le DOM. Donc, c'est le Document Object Model.
le DOM et JavaScript, c'est deux choses différentes. Voilà. Souvent, on dit JavaScript, c'est la même chose, mais non. Le DOM, c'est juste la représentation de ton fichier HTML en mémoire que le navigateur va afficher à l'écran. Ouais, sous forme d'objet quand même, pas d'objet JavaScript, mais sous forme d'objet pour le navigateur. C'est qu'en fait, les chaînes de caractères sont devenues des nœuds qui ont plus d'informations en plus de leur... Exactement, un arbre vraiment bien structuré. Donc, je l'ai dit, du coup, on a la même chose avec le CSS. Donc là, au final, on va avoir un CSS Object Model, CSS Home. Et en fait, ces deux arbres, DOM et CSS Home, vont être combinés dans un arbre de, rendu, de, enfin, de rendering, on va dire, on l'appelle un rendering tree, qui va être, du coup, affiché à l'écran. Mais pour ça, en fait, le navigateur, il a besoin, du coup, des informations sur les positions, en fait, de tes blocs, tes divs, tes images, tes boutons, etc. Donc là, il va récupérer en fait ces informations-là via ce qu'on appelle le layout. C'est un bloc qui vient se greffer dans le rendering pour du coup se finir dans la dernière étape qui est donc le painting. Donc là, le navigateur commence à dessiner en fait, à faire de rasterizing en fait. D'accord, c'est là que la magie opère. Voilà. Et il y a une étape qu'on a un peu passée, c'est effectivement, tu as dit qu'on parsait le DOM. Donc on va récupérer entre autres les liens vers d'autres fichiers. Oui. Et il faut savoir que pour chaque lien, que ce soit un CSS, un JavaScript, peu importe, qui est détecté, on repasse par tout le process, aller rechercher effectivement dans le cache, DNS, etc. Si tu as référencé des fichiers dans ton fichier HTML, par exemple, si tu as référencé un JavaScript, ce qui est souvent le cas, le navigateur, en fait, il faut qu'il aille chercher. Donc, il faut qu'il fasse un get de ce fichier JS. Pardon. Pour ça, bah en fait, on va recommencer depuis le début. Tout le process qu'on a vu depuis le début. En plus, si tu as le malheur d'avoir mis ton fichier JS sur un autre serveur, donc un autre domaine, le navigateur, pareil, il doit aussi aller convertir le nom de domaine en adresse IP, donc repartir dans tout le process qu'on a vu tout à l'heure. D'accord, oui. Parce que là, en fait, quand on dit qu'on fait tout le process chaque fois qu'on appelle une ressource, on a quand même le cache dans le navigateur qu'on a fait à la première requête, si on est sur le même domaine. C'est le même domaine, voilà. Qui raccourcit un petit peu le temps de requête. Ouais. Et après, il y a des optimisations qu'on peut faire avec le, je crois que c'est le DNS prefetch. C'est des métadatas que tu mets dans ton fichier HTML, donc en haut, qui vont dire au navigateur, OK, voici les domaines que j'utilise dans mon application. Va chercher les adresses IP de ces domaines-là, en fait, et les mêler en cache directement. D'accord. Comme ça, les prochaines requêtes vont être plus rapides parce que du coup, le navigateur a déjà fait toute cette étape-là de... convertir un nom de domaine en adresse IP qui peut prendre du coup un certain temps. Donc à chaque fois qu'on veut récupérer une ressource, il y a une requête. Et ce qui m'est pensé quelque chose, c'est que toutes ces étapes de parsing, render tree, painting, etc. Aujourd'hui, dans la plupart des dev tools et navigateurs, si je prends Edge par exemple, on peut voir toutes ces étapes et même plus encore. C'est-à-dire que je regarde pour une page, je vais voir combien de temps a pris en secondes, même chaque frame, combien de temps elle a pris pour être, affichée à l'écran. Et donc on peut même optimiser notre code en regardant dans ces DevTools, combien de temps prennent chacune de ces étapes et voir où est-ce qu'on pourrait... Tout ce que je décris là, effectivement, même le DNS, etc., le temps que le navigateur a mis pour convertir l'adresse IP, le nom de domaine en adresse IP, ces informations-là figurent dans le DevTool. Ouais. OK. Et pareil, si tu testes ton application, d'ailleurs, vous devriez le faire avec Lighthouse. Oui. Avec Lighthouse, donne des informations pareilles sur le fameux DNS prefetch et sur les micro-optimisations qu'on pourrait faire. D'accord. Et donc là, voilà, j'ai mon rendering. Il y avait un dernier dessin sur ton... Oui, là, c'est simplement pour illustrer en fait ce qui se passe à l'intérieur du navigateur. Donc, comme quoi, il y a une interface graphique qui représente les différents boutons, widgets, etc. de ton navigateur. À l'intérieur, tu as le fameux browser engine. Ce browser engine communique avec le rendering engine. Donc, c'est lui qui permet d'afficher ton fichier HTML, voir ce que tu as potentiellement créé avec du JS aussi, parce qu'on n'a effectivement pas parlé, mais il y a aussi tout un tas d'interprétations côté JS qui est faite aussi par le navigateur en parallèle en fait à la construction du DOM et du CSS Home. Parce qu'il faut savoir qu'avec du JS, forcément, on peut modifier le style et modifier le DOM. Il y a des choses à ne pas faire effectivement pour pouvoir bloquer le rendering en fait. Voilà, c'est tout ce qui se passe en tout cas dans le navigateur. C'est pas évident. C'est bien plus clair pour moi en tout cas, et j'espère que c'est bien plus clair aussi pour les gens qui ont suivi la vidéo. Et donc la prochaine, on fait ça sur HTTPS ? Promis, HTTPS. Super, merci Wassim. Merci Olivier. Et si jamais vous voulez plus d'informations sur les vidéos qu'on fait ou sur le contenu que crée Wassim, on va mettre le lien sous la vidéo de la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, on envoie plein de contenu super sympa. Salut. Peace.